Jean-Paul Belmondo, montes-tu à cheval? Ben, je fais du cheval par occasion, dans des films. Par exemple, j'ai appris à monter pour Cartouche. J'ai appris avec Rochefort, d'ailleurs. Mais moi, j'ai pas la passion de Rochefort. Enfin, la passion qu'il a maintenant. Parce que moi, j'ai connu Rochefort qui détestait les chevaux. Parce qu'on a été ensemble, c'est Nadal qui nous a appris à monter. Et Jean était incapable de se tenir sur un cheval. Parce que le premier jour où il est monté, je crois qu'il s'est froissé une côte. Et alors, j'entendais tout le film dire qu'il n'y avait pas plus bête qu'un cheval. Et à tel point que c'est moi qui le doublais dans certaines scènes, parce qu'il ne voulait pas. Et alors, on partait au galop, par exemple, et Rochefort, vraiment, il y avait un cascadeur en dessous qui le montait sur le cheval, ce qui était assez étonnant. Et puis le cheval partait au galop. Et dès qu'on disait couper, Rochefort tombait. Session Jacques de Ray, au jour le jour. RTL, 13h, les informations, Jean Carlier. Aujourd'hui commence la semaine Jacques de Ray. Donc jusqu'à vendredi, nos journaux de 13h correspondront, le plus possible, au schéma souhaité par le metteur en scène de la piscine et de Borsalino. Un seul sujet, un peu plus fouillé que les autres, ce que nous appelons le plat du jour en jargon journaliste. Pour le reste, des nouvelles brèves traitées en quelques lignes denses, avec intercalées des rendez-vous quotidiens. Premièrement, un ou plusieurs appels en direct à la préfecture de police, source permanente de faits divers dont Jacques de Ray est friand. Deuxièmement, un reportage sur l'un des nombreux festivals de l'été. Pour un metteur en scène, je suppose que le spectacle est aussi important que le fait divers. Enfin, l'opinion de journalistes sur l'objectivité dans l'exercice de leur métier. Le tout écrit, bref, serré, pour permettre de diffuser le plus grand nombre d'informations possibles. C'est dire que ce préambule sera le dernier blabla de la semaine. Tout au moins, nous nous y efforcerons, puisque d'autre part, Jacques de Ray veut des faits, pas de commentaires.